une grosse surprise aujourd'hui. J'ai décidé de changer un peu de registre. Nous n'allons pas parler de scrapbooking. Et oui, ça existe de vivre autrement. Nous allons parler simplement et clairement de vêtements. Bah oui, comme vous le savez, comme vous pouvez le voir, je suis pas une miss vêtements parce que je ne trouve jamais ce qu'il faut. Je suis plutôt en grande taille puisque je fais une taille 54. Et du coup, je me suis dit, en voyant d'autres strappeuses lors du salon, que j'étais pas toute seule à faire une taille plus grande que les autres et que certainement on était plusieurs à pas être forcément top sur les vêtements. Donc là, je devais racheter des vêtements parce que ça devenait une obligation. Je me suis dit, bah pourquoi pas le partager et faire un haul. Donc le premier haul que je vais vous proposer, c'est un haul Kiabi. Et oui, parce que la mode à petit prix, déjà premièrement, ça va, c'est à peu près jeune, parce que l'autre problème, c'est souvent vieillot. Après, le problème des fois, c'est que les vêtements arrivent là, à peu près. C'est un peu court, c'est ça le problème. Ça, je comprendrai jamais que nos amis des vêtements fassent des vêtements qui arrivent au nombril, parce qu'on a quand même un problème de ventre ou de tablier pour certaines. Et forcément, faire ce genre de choses, c'est pas mettre en valeur. Mais bon, c'est comme ça. Donc, premier haul, Kiabi. Deuxième haul, ça sera Shine Curve. Il n'y en aura peut-être pas d'autres. On verra. Donc, je vous demande un peu d'indulgence parce que pour le coup, c'est la première fois que je fais ça. J'essaye de cadrer comme il faut. Mais alors là, c'est un vrai débat et un vrai problème. Donc, je pense que la vidéo va être plus qu'amateur. Mais bon, allez, c'est un petit côté familial, artisanal. Et puis, avec des cœurs, on y croit. Bon, bref. On y va sur les achats. Donc, je vais vous présenter tous les petits achats que j'ai faits. On va voir ensemble, commenter, n'hésitez pas. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, hein, vous avez le droit. Donc, vous voyez, il y a des surprises dans tous les domaines. J'ai déjà fait des recettes de cuisine, j'ai déjà fait plein de choses. Et n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air et toujours, toujours, toujours les cloches, tout ça, plein de bonnes choses. Bon, à tout de suite. On y va, c'est parti, on se lance. Ouais, on y va. Alors, premier article, j'espère que je vais pouvoir avoir assez de recul, pardon pour la main. Vous voyez que c'est artisanal, on l'avait dit. C'est un pull qui était à 20%. Donc là, en ce moment, il y a des déstockages. Donc j'essaye de vous le faire voir en entier. C'est compliqué, donc il faut que je recule. Et pas comme ça, je crois. Alors attention, je change d'angle. Et c'est déjà beaucoup mieux. Donc le voici. C'est un bleu très clair avec du blanc. Il est hyper sympa. Il est tout doux. Mais vraiment tout doux. Tout, tout doux. Bon bref. Bon, on se revoit tout de suite. Je vais le mettre. Et le voilà passé. Alors en dessous, c'est un autre t-shirt. Hein. Ça n'a rien à voir cette partie-là. Mais du coup, ça vous fait voir que c'est quand même assez échancré. Donc si vous avez un peu de décolleté, ça peut être sympa. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Donc voilà. Après, il couvre bien jusqu'aux fesses, hein, comme vous pouvez voir. Je vais essayer d'avancer un peu. Voilà, parfait. On ne voit pas trop les étages. Ça va. C'est pas trop long, pas trop court. Bref, celui-là, il est pas mal. Donc il est à 20 euros. Mais là, il avait 40%. Donc bon, il fait encore froid en ce moment. Donc ça reste d'actualité. On continue? Alors. Là, on est sur un haut. Sur un haut plutôt marinière, hein, avec un petit col. Donc, je vous fais voir le col avec un bouton à l'arrière. Donc, celui-là, il est à 15 euros. Et il n'y avait pas de réduction. C'est la nouvelle collection, celle-ci. Hein. Donc, et vous l'avez en inverse, c'est-à-dire en rayure blanche et avec le fond bleu marine. Vous avez les deux. Moi, j'ai choisi le couleur plutôt clair parce que j'aime bien quand c'est pas trop foncé finalement. Donc voilà, on y va, c'est parti. Et voilà, alors bon, ça peut faire un peu strict hein, le col, il peut gratouiller un peu, bon, peut-être qu'avec le temps ça passe, par contre il est quand même un peu élastique hein. ça fait pas ça fait, bon là vous voyez il y a un petit effet de manche. Alors de loin voilà ce que ça donne, ça va. On voit pas trop les étages. C'est à peu près long. Bon, à peu près. Mais c'est pas mal. Donc, du coup, j'ai pris ça. Et me voici en marinière. C'est énorme. Bon, alors maintenant, on va passer. Je vais garder ma marinière. Et on va passer au pantalon. Donc, j'ai pris deux pantalons noirs. Le voici, le premier. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit effet...
effet papayette, c'est pas vrai, mais voilà, c'est un autre système. Je sais pas ce que c'est comme matière. Peut-être marqué. Ben, vu que je vois rien, c'est pas gagné. Oh là là, qu'est-ce que c'est comme. C'est du poly quelque chose. Ouais, d'élastane. Il y a de l'élastane, c'est pour ça que ça fait ça. Donc effectivement, on voit que il y a ceci. Il y a une ceinture, donc ça peut être sympa aussi. 40% de 22 euros. Donc autant dire, celui-là, je ne l'ai pas payé très cher. Voilà, et c'est une coupe droite, hein. Rien d'extraordinaire, mais par contre, ouais, on voit bien qu'il y a de l'élastane. Donc on y va, j'y vais, c'est parti, à tout de suite. Alors, ça y est, c'est fait, mais alors là, ça va être plus compliqué à faire une prise de vue, donc je vais baisser pour que vous puissiez voir. Oh là, c'est trop baissé. Alors là, je vous prends dans les mains parce qu'un pantalon, finalement, c'est pas très simple à vous faire voir. Donc, voilà le pantalon. Donc, c'est un bouton plus une fermeture éclair. Comme vous voyez, il descend plutôt bien. Et moi, je mesure 1,70 m. Donc, voilà ce que ça fait. Attendez, je vous repose. Alors là, est-ce qu'on voit? Non, on ne voit pas. Alors, pas si vous voyez, mais c'est plutôt pas mal. On est bien dedans en tout cas. Bon, par contre, il fait du bruit, hein. C'est nous les cas de la barille. Ou pas. Bon, allez. Bon, celui-là, il est plutôt bien. Il tombe à peu près. Moi, je suis à 1,70 m, donc du coup, ça tombe à peu près. Voilà ce que ça donne pour celui-ci. Et enfin, là, on est sur du jean slim élastique de chez Kiabi. Donc ça, c'est une collection permanente. Hein. Ils sont à 20 euros en skinny. C'est le skinny. C'est marqué, c'est skinny. Voilà. Donc, je le mets tout de suite. Bon, là, on est sur une valeur sûre. Hein. Vraiment, moi, c'est ce que je mets au quotidien, ce genre de pantalon. Je vais vous faire voir. La fermeture n'est que bouton. Bon, pour y aller, il faut mettre un chausse-pied. Il hein. Faut vraiment rentrer. C'est heureusement que c'est élastique. Mais une fois que vous êtes dedans, au moins, tout est resserré et tout est maintenu. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, on est très près du corps, mais pourquoi pas? Parce que quand c'est trop large, en fait, ça fait bibendum. Enfin, c'est tout du moins ce que moi je pense, pour le coup. Donc voilà, ça arrive pile poil, hein, juste un petit centimètre. Parce que moi, je suis pas douée des ourlets, hein, donc il faut que ça arrive pile poil. On est vraiment sur de l'élastique, hein, et on est plutôt confortable dedans. Donc voilà, ça c'est le must-have à mon avis à avoir dans sa garde-robe quand on a un petit peu de poids. Comme moi, et que on a besoin tous les jours de pantalons noirs ou de pantalons bleus. Donc ça fait un peu style jean, c'est pas un jean, mais par contre c'est bien pratique et on se sent bien dedans. Et ça, pour une fois, ça change. Donc on continue. Là, j'ai plutôt le style week-end. Enfin bon, ça c'est pas non plus super chic non plus, hein, pas non plus. Mais là j'ai le style week-end. À tout de suite. Alors on y est, ça c'est un t-shirt que j'avais acheté il y a un certain temps, vous voyez c'est mum, il y avait dad aussi, donc on s'était fait un petit délire. Et là on est plutôt dans le week-end, hein, c'est ce que je vous ai dit, je vous présente le fameux jogging rose. Alors franchement, est-ce que je vais sortir avec ça? Je suis pas sûre. Mais par contre, sans pilou pilou, et c'est vachement bien. On est tout de suite. Donc vous voyez, bon là on voit bien qu'il y a un tablier, on voit bien qu'il y a du monde, on voit bien tout. C'est-à-dire que là, tout de suite, on change tout de suite de philosophie. C'est ça qui est formidable, c'est qu'avant, on passait à peu près pour basse, allez, on y croit un petit peu. Mais alors là, on est tout de suite dedans. On est tout de suite bien grosse. On y est. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, oui, bon, quoi dire? Dire juste être bien chez soi, ça, c'est important. Donc, voilà, là, ça permet d'être bien chez soi. Je vous redonnerai le prix parce que c'est sur moi, donc je ne vais pas me déshabiller tout de suite. Mais bah, c'est bien chaud, là j'ai les jambes qui chauffent là. Là c'est bien parce qu'il caille en plus en ce moment. Donc, voilà. Donc bon, hey, c'est sympa pour être chez soi, sortir, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Mais vraiment chez soi, ça peut être cool. Bon, on continue, mais on continue sur plus sympa. C'est une robe ce coup-ci. À tout de suite.
Alors, l'autre, c'était 15 euros. Et 15 euros avec 40% de réduction parce que c'était en déstockage. Là, nous arrivons sur la nouvelle collection. Alors, vous voyez, j'ai un look d'enfer avec mes petites chaussettes. Hein. Mais c'est la robe. Et voici une robe qui, elle, est à 29 euros. Nouvelle collection. Vous avez que des hauts, vous avez des bas en jupe, vous avez tout ça. Hein, le motif fleuri est bien sûr mis sur plusieurs modèles. Moi, j'ai pris le côté robe, mais il y avait d'autres possibilités. Les manches sont jusqu'en bas, donc bon, bah, l'été chaud, ça va être pas le faire. Mais si vous voulez planquer vos bras, parce qu'il y en a certains qui sont comme ça, bah là, au moins, vous pouvez. Donc, elle arrive au genou, elle est assez souple. Je pense qu'on repasse ça, ça doit être cool. Elle a, par contre, bon, l'éternel problème, c'est que moi, j'ai pas beaucoup de poitrine. Donc, forcément, ça flotte un peu. Mais si vous avez de quoi remplir là, à mon avis, ça fait un joli décolleté. Voilà. Donc, ça, nouvelle collection. Et avec cette nouvelle collection, ils ont sorti aussi une veste. Alors, une veste un peu chemise, en synthétique, cuir synthétique. Hein. La voici, pour l'entre-saison. Alors moi j'aime bien ces genres de choses. Vous allez le voir. Et elle va parfaitement avec ma petite robe. Donc ça c'est 25 euros de mémoire. Ouais c'est ça, 25 euros. Voilà. Et comme ça je peux sortir. Oh oui. Voilà. Ça fait bureau, ça fait tout ça. C'est plutôt bien. Avec des petites chaussures, bien sûr. Pas des super sockettes noires. Alors, avec aussi ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris une autre veste. Alors, c'est pas forcément avec pour le coup, c'est parce que j'avais besoin de veste. Donc, c'est une veste aussi en faux cuir, genre un peu perfecto, mais bon, de loin quand même. Pas perfecto de près. Et là, vous avez un autre style. Franchement, elle est sympa, vous voyez l'encolure. Alors, il y a des. Vous pouvez zipper. Vous pouvez attacher. Vous voyez des trucs. Ça évite que ça claque toutes les 2 secondes. Voilà. Et voilà. Et ça se ferme en croisée. Bon, faut rouvrir du coup. Mais bon, c'est pas génial. Peut-être fermé. Enfin, moi, ça me plaît pas. Mais après, chacun son truc. 25 euros aussi. Voilà. Ça va aussi avec la robe finalement. Il n'y a pas de souci. Et vous pouvez avoir 2 petits ensembles assez sympathiques pour 60 euros. Franchement, ça va. Il y a pire. Et voilà, c'est sur ça que s'arrête notre haul. Donc je vous reprends un peu plus haut. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'en ferai d'autres si j'ai de l'argent pour acheter des vêtements, déjà, premièrement. Et deux, si vous avez aimé ça. Là, j'ai fait une commande pour une première chez Shine Curve que je ne connaissais pas. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Et du coup, on se retrouve sur cette chose. N'hésitez pas à commenter en bas et à me dire ce que vous en pensez. Alors, si c'est pas gentil, c'est pas la peine de mettre. Oui, je sais, je suis ronde. Et alors, bah, c'est comme ça. Donc, faut faire avec et faut essayer de le faire en bonne humeur. Donc, et surtout, ne restons pas dans notre coin parce que c'est pas ça la vie. Pas du tout. Donc, les rageux, bah, passez votre chemin et allez voir les tutos des nanas qui font du 34. Moi, malheureusement, c'est pas mon cas. Donc, à partir de ce moment-là, quand on a des maladies, quand on a des choses, eh ben, faut faire avec et continuer à vivre. Donc, c'est pour ça que je partage ce bon plan. Je le partage parce que je pense qu'on est plusieurs dans mon cas et que tout le monde n'ose pas en parler. Donc, autant en parler un peu une bonne fois pour toutes. Et surtout, n'hésitez pas à commenter et je vous répondrai avec plaisir. Abonnez-vous parce que, voilà, ma chaîne a quand même quelques talents. Allez, j'y crois. Abonnez-vous pour la suite des événements parce qu'il y aura toujours des surprises, c'est ce que je vous avais dit. Et surtout, 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 gardez la pêche, la forme. Et on se retrouve très, 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 très vite. À bientôt!